saleté de ronce. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Ralentis, tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ça lui arrive d'être fatiguée. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort, le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier. Le combat est loin d'être terminé. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Amicia ! Regarde ça. Un château. Allons voir. Bon, très bien. Allez, on court. Hugo, tu vas suer comme un bœuf. C'est moi qui suis comme un bœuf. C'est bon pour toi. J'adore ton nouveau chez toi. C'est un château. D'accord. Lucas le perfide attaque mon château. Oui, et je vais te transformer en scarabée. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et... Amicia l'Amazone. Évidemment. Alors maintenant, filez. Viens, Amicia l'Amazone. On doit trouver une bonne cachette. Bien, gardons-le à l'œil maintenant. Oui, on bougera s'il vient. 7, 8, 9, 10. J'arrive. Il arrive. Je sens votre peur. Moi, Lucas perfide parmi les perfides, je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Il est horrible. Vous êtes ici ? Où pourriez-vous bien être ? Tu sais quoi ? Nous aussi, on devrait le chasser. Ah oui ! Le perfide a posé ses yeux sur vous. C'est la fin. T'es trop méchant. Allons, gardez courage. Trop facile. Bon, je vous donne une seconde chance. Il faut qu'on se déplace pour rester hors de vue, mon roi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive. Il va arriver. Où êtes-vous? Je peux sentir votre peur. Allez, à des lieux. Le chasseur. Où est-ce? Oui, c'est le seul votre moyen mauvaise de gagner. Haleine royale. Vous serez bientôt déchu. Oh.
Bien. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas. Écoute, si je veux devenir alchimiste... Mais tu es déjà un alchimiste. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien. À plus tard. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Je peux monter sur ces rochers? Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui, oui, bien sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume. Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière. C'est la mer. Patrouillons par là. Très joli. Alors? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière? Oui. Pourquoi pas? Attention, Amicia, l'Amazon! Navire ennemi en vue! Ils vont nous attaquer! Oh non! Qu'allons-nous faire? Reste à la frontière et coule-les avant qu'ils passent. D'accord. Ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume, Majesté. Un de moins. Oui, continue. D'autres bateaux. La magie noire ne souillera pas ce royaume. Que de la bonne magie. Oui, le roi applaudit. Qu'ils viennent, je les écraserai. L'envahisseur était en nombre. Mais nous l'avons repoussé. Parce que nous sommes la maison de Rune. Bonjour. Je passais par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander, je peux jouer avec vous? Oui, mais qui es-tu? Je m'appelle Tona, j'habite dans le coin. D'accord, nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette, je suis le roi et elle c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi je tirerai avec le canon. Alors engageons le combat. Wow, c'est vraiment très fort. Bien joué. Ils ne passeront pas, vous verrez. T'es fort. Mais ils arrivent encore. Je continuerai à les couler. Nos défenses sont trop solides pour eux. Soldats Tona, continuez à tirer avec le canon. Ouais. Pas tes fesses. Leur vilaine fesse. Du calme, Majesté. Vous commencez à parler comme un petit démon. C'est la chance. Pas le moment de faire des manières. Très bien. Donne-leur le coup de grâce, Tona. Attention, boulet de canon. Oh non, Hugo, à couvert. D'accord, c'est bon, les garçons. Vous avez gagné, ils se rendent. Reddition acceptée. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, Tona. Il était gentil. Allez, en route, Majesté. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Tu en as coulé des tonnes. Bravo, capitaine. Et Tona était gentil. Oui. C'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûre? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est différent. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi? Je plaisante. Je vais t'aider. Et puis d'abord, t'es trop lourde. Oh, comment oses-tu? Un jour, je pourrai le faire. Château est immense. Qu'en dites-vous? On l'attaque? D'accord, je suis prêt. Maintenant, chargez! Chargez!
porte est fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi voir. Ah! C'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Oh, les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai? Tu t'es fait mal? Non, mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Tu sens ça? On dirait une cheminée. Oui. Quoi? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Pas un bruit. On s'en va. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? Par là. Amicia. Hey! Que se passe-t-il? Vous êtes combien? Attendez, on ne voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge! Je vous le jure! Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge! Vous êtes des voleurs! Je vais vous couper en morceaux! Cours! Venez ici! On doit sortir d'ici! La porte! Oh, non, non! Viens! Vous êtes coincés! Là! Il nous suit toujours! Cherche un moyen de sortir! Vous êtes coincés, les gros! Voyez pas, vous m'envoyez, vous êtes échappés! Par ici! Il ne nous suivra pas! Vite! Baisse-toi, vite! Je ne reviendrai plus, je te jure! Attrape-le! Ah, Jake! Pitié, je vous en supplie! Non! Non, pitié, non! Il aurait fallu y penser avant de vous voler avec ta bande! Chut! Bon sang, Mathias! C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là! Hey, j'en ai manqué deux! Un garçon et une fille! Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, vite. Ils sont fous. Quel gâchis. Tu vas faire quoi avec notre viande et notre miel maintenant, hein? T'es mort. Passe, maintenant. Il faut nous tuer. Non, ils ne nous verront pas. Mathias, viens. Ils ont salement amoché grand-père. Non. Amicia, ma maison. Oh, oh, c'est pas bon. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. Ouais. Veille sur lui en attendant. On pourrait se cacher ici. Il nous trouverait. On doit continuer. Mais quel bon sang. Seigneur. Attention. Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ça. Cherche. La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vit... Bon, quoi. C'était une fronde, quoi. On fait quoi, Amicia? Seigneur. Attention. Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ce qu'on sait quoi. Quoi encore? Des intrus! À l'attaque! Oh non!
Quel bon sang! Seigneur! Attention! Arrête de pleurnicher! Il y en a sûrement encore aux alentours! Va aider les autres! Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre! C'est... Oublie ça! Il bougera pas. Je m'en cherche. La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vient ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Pauvre cinglé. Du calme. J'avais juste besoin de boulot. Ah! Encore quelqu'un qui se cache? Va-t'en. On se dépêche. On retourne à la charrette et on s'en va très loin d'ici. Maman va être très en colère. On ne lui dira rien. On partira dès qu'on arrive à la charrette. Il est où, ce petit merdeux? Tu devais monter la garde. C'est ta faute, tout ça. Il va falloir qu'on grimpe. En silence. Donna! Ramène ton cul ici! Tout de suite! Oui, je vais. Démolir! Oh non, c'est la maison de Donna! Peut-être qu'il n'est pas encore rentré. J'espère. Essayons par là. Au moins, ils n'ont pas touché à ça. Attends. Quelque part. Amicia, elle est pas. Ça pourrait marcher. Si je le lance derrière lui. J'ai une hache. Je vous préviens. Maintenant, profitons-en. Que les saints me protègent. Bon, il n'y a rien. C'est la plus grosse erreur de notre père! Mais je vais arranger ça! Arrête! Hugo, reste derrière moi! Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu, on s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard, je... Vous avez rien à faire ici! Rémi, occupe-toi d'elle! Et me déçois pas, compris? Mais le garçon, il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. Ah 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 ah
Amicia? Me fais pas de mal. Où on est? Je dois repartir. Je veux ma sœur et ma maman. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui, elles sont peut-être par ici. S'en va. C'est grâce à l'eau.
Tu m'as sauvé. Merci. Est-ce que je peux revenir? Avec quelqu'un? Je te réveille enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui, je... J'étais malade et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais, Amicia... On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane. Avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain. La macula n'est pas seulement dans le sang d'Hugo. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. R, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon, c'est eux! Viens là! Non! Non, attendez! Non! Amicia! Toi, attrape-les! Ne la laissez pas filer! Je sais que t'es quelque part par là! Montre-toi! Patronne! Oh, elle est restée dans le chariot! Non, c'est juste là! Elle doit pas être loin! Ouvre l'œil! On devrait aller la chercher dans les champs! C'est ça! Partez loin! Attention, c'est une teigne. Elle pourrait être juste à côté de toi. On a de la compagnie. Le chariot. Ils ont besoin de toi. Hugo a besoin de toi. Ils ont dû descendre. Dépêche-toi, à couvert. Attention, tu peux le faire. T'as vu comment ils ont dévoré Mathias et Rémi? Comment on se débarrasse de monstres comme ça? Il faudrait essayer de leur couper la tête. On appellera un prêtre si besoin. Les salopards sont là. Descends. Stoppez-les. Oui. La mort. Elle est là.
Allez. Ils sont vivants. Le sang. Thank you.
Hugo. Il respire. C'est le choc. C'est fini. Tout va bien. Tout va bien. Nous voilà enfin arrivés. Les gens sont gentils ici. Personne ne nous attaquera ici, Hugo. Cette ville est sous la protection du comte de Provence. C'est un seigneur très très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici. Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend ? Eh bien, Magister Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison tout entière ? Oui. L'ordre est très ancien. Ils possèdent des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils ont construit le laboratoire de ta mère, et même le château d'Ombrage, tu te souviens ? Oui. C'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important pour eux. Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets. Venez, mon père. C'est une foi. Va jeter un œil avec lui. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. Elle a une girouette en forme de phénix. C'est compris. Et sois prudente surtout. Alors, il y a quelque chose qui te plaît ? Je crois que tout me plaît ici. Viens, il y a sûrement plein d'autres choses à voir.